Et enfin, Montpellier Danse présente une chorégraphie numérique. C'est une rencontre entre la danse et la vidéo, une expérience entre le monde virtuel et réel. La compagnie Muleras installée à Béziers travaille depuis plusieurs années sur des chorégraphies numériques. Aujourd'hui, elle présente un spectacle et un projet Internet. On a depuis une dizaine d'années développé toute une création liée à l'Internet. On est arrivé à amener la danse sur Internet. Et création scénique puisque nos projets se nourrissent toujours l'un de l'autre. Des créations Internet peuvent aboutir à des spectacles et vice-versa. Et cette fois, c'est sur scène que la compagnie a décidé de s'exprimer avec le premier volet d'une longue série, Trace, un spectacle où l'image numérique devient un partenaire chorégraphique. On travaille vraiment l'image et son contenu pour vraiment un apport artistique et pas simplement en faire un très joli décor, ce qui peut fonctionner aussi. Des images qui ne doivent pas faire de l'ombre aux danseurs. La difficulté dans un travail chorégraphique qui joue avec le numérique, c'est de toujours laisser la place au corps et laisser la place au vivant. Notre intérêt aussi, c'est de laisser la danse essentielle, et la danse est essentielle dans tous nos travaux. C'est vraiment le corps d'abord, les machines après. Trace à découvrir au Chez du Terral demain, jeudi et vendredi.